Bertin Tameyon décrypte les résultats issus du scrutin législatif avec son équipe de campagne. Au décompte, le parti l'UP Le Renouveau a réussi à prendre un siège dans la 9e circonscription électorale. C'est un effort louable, mais il reste encore du chemin à faire, reconnaissent-ils. Nous sommes en train de nous réjouir de l'élection passée, l'élection du 8 janvier passé. Certes, dans notre arrondissement, nous n'avons pas eu la victoire, mais sur le plan national, nous avons remporté. Dans l'arrondissement, nous avons eu deux têtes. Il y a eu l'Union progressiste, le Renouveau et BR. Donc on s'en a sorti deuxième de l'arrondissement. Mais ça ne nous effraie pas, puisque on s'arme. Le plus important est de relever les prochains défis politiques afin de faire face aux enjeux du développement de la commune de Savalou. À l'issue des échanges, où il y a eu plusieurs interventions, nous avons noté les points faibles qui ont fait que nous avons obtenu ce résultat-là, et ensuite les points forts qui nous ont permis effectivement d'atteindre ce niveau. Mais l'essentiel, après avoir fait ce point, l'essentiel c'est de voir quelles sont les solutions qu'il faut apporter, parce que nous voudrions avoir une base solide en matière politique dans notre arrondissement. Le parti politique que nous portons, c'est l'Union progressiste Le Renouveau, et qui a fait ce score que tout le monde connaît. Mais nous voudrions faire davantage par rapport à notre arrondissement. Et pour ce faire, il y a eu des conseils qui ont été donnés, des engagements qui ont été pris pour que nous puissions susciter d'autres adhésions. Étant donné qu'en matière politique, il n'y a pas d'adversaire définitif, nous allons pouvoir sensibiliser les gens qui ne nous ont pas encore portés afin qu'ils puissent rejoindre le groupe. Au terme de cette rencontre, les militants du parti ainsi que les responsables comptent changer de stratégie afin qu'aux prochaines élections, l'UP Le Renouveau obtienne plus de résultats.